Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 34 de Coin du Blu-ray. Épisode 34 que j'ai encore voulu consacrer à la lettre P. Je sais, ça fait la troisième fois, mais c'est un peu exceptionnel parce que derrière, je compense la lettre Q, j'en ai que deux, et honnêtement, bah, j'en ai pris qu'un sur les deux. Et aussi parce que dans la lettre P, j'ai énormément de films. J'avais Parasite, tout simplement, mais pareil, Parasite, je vais pas vous en parler parce que Parasite, bah. On a déjà bien parlé sur la chaîne, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Il y avait Phantom Thread aussi de Paul Thomas Anderson, mon cinéaste préféré, mais voilà, je le réserve aussi pour d'autres formats parce que Paul Thomas Anderson, il y aura beaucoup trop de choses à dire. Et donc, du coup, j'ai décidé de me pencher sur un réalisateur qui va revenir à l'affiche la semaine prochaine avec un long métrage que tout le monde attend. Mais du coup, j'ai voulu revenir sur le long métrage qui lui a un peu permis d'accéder à une vraie reconnaissance publique parce que. S'il y a eu certains de ces films avant qui ont réussi à cartonner, comme Incendie, mais Incendie, ça restait auprès d'une certaine communauté, c'est réellement au travers de Prisoners que Denis Villeneuve a acquis une reconnaissance auprès du public qui lui a permis ensuite de monter, de grimper, de faire des films comme Premier Contact, comme Blade Runner 2049 ou comme la semaine prochaine, Dune. L'histoire, elle est très simple. Dans une petite banlieue de Boston, deux fillettes disparaissent. Suite à cette disparition, une seule des deux va être retrouvée et l'autre, on ne sait pas où elle est. Et le père va devenir fou. La police ne va pas savoir où chercher, mais il y a peut-être une piste au travers d'un jeune homme qui potentiellement les aurait vus en dernier. L'idée est très intéressante et le film Prisoners, lorsqu'il est sorti, a beaucoup marqué parce que il y avait un travail d'écriture, de mise en scène. De composition de l'image et d'interprétation qui a vraiment scotché beaucoup de monde. Mine de rien, quand il est sorti Prisoners, je me suis demandé comment il avait réussi à autant impressionner, on va dire, le grand public, parce que c'est bon de le rappeler, mais Prisoners dure 2h35. C'est énorme. Même pour un thriller, 2h35, faut avoir quand même les coronesses de poser ça et de dire au public, restez attentif pendant 2h35 parce que ça ne sera qu'à la toute fin que vous aurez les réponses à toutes vos questions. Donc c'est quand même assez couillu. Mais. Il y a eu deux grands hommes qui, pour moi, ont fait la force de ce film. Parce que si le script est intéressant, pour moi, la direction de la photographie de Roger Deakins et le travail de l'image de Denis Villeneuve ont réellement fait la puissance de Prisoners. Et aussi, c'est important de le rappeler, pour moi, c'est à partir de ce film que Denis Villeneuve a réussi à trouver ce style si particulier qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est pour moi grâce à ce film qu'il a réussi derrière à pondre des trucs comme Sicario, à pondre des films comme Premier Contact et à réaliser des prouesses visuelles comme Blade Runner 2049. Parce qu'au travers de ce film, il a pu, avec Roger Deakins, construire un cadre dans lequel il pouvait exactement mettre ce qu'il voulait et surtout aller dans le détail. Et le détail est devenu l'obsession par la suite de Denis Villeneuve. Le détail d'une lumière, le détail d'un décor, le détail d'un acteur qui, au sein de ce cadre, doit ressortir de la bonne manière, et c'est exactement ce qui se passe dans Prisoners. Prisoners, c'est une œuvre haletante, c'est une œuvre prenante, c'est une œuvre passionnante, c'est une œuvre noire, c'est une œuvre dure, mais c'est également une œuvre très, 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 très sensible aux détails. Les détails sont hyper importants dans Prisoners. Si on ne fait pas attention aux détails, on n'aura pas les bonnes clés pour réussir à avancer dans le récit, à comprendre ce qui arrive aux personnages, et surtout à cerner ce qui les entoure. Donc, l'objectif, c'est de faire ressortir le détail. Et au travers de Prisoners, tous les détails sont importants. Que ce soit un pauvre petit labyrinthe dessiné sur une feuille, que ce soit quelques petits messages disséminés à gauche et à droite, que ce soit la parole d'un personnage qui semble plutôt vrai, alors qu'en fait elle est complètement fausse, c'est dans les détails que Roger Deakins et Denis Villeneuve ont réussi à poser tout ça. Et au-delà de ça, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à se reposer sur un casting qui est absolument fou. Je pourrais vous citer Maria Bello, je pourrais vous citer Jake Gyllenhaal. Je pourrais vous citer Paul Dano, qui est juste fou. Je pourrais vous citer. Tout le casting est juste extraordinaire dans ce film. Mais pour moi, il y a un acteur qui domine ce long métrage, c'est Hugh Jackman. Hugh Jackman est monumental du début à la fin du film. Il pose une interprétation qui est d'une telle force, d'une telle puissance, d'une telle justesse, qu'il emporte vraiment le long métrage dans ses retranchements. Et sans lui, honnêtement, le film ne serait pas ce qu'il est. Bon, bien sûr, comme je l'évoquais avant, il y a Roger Deakins et Denis Villeneuve derrière la caméra, mais quand même, lui, il porte vraiment le film et il amène toute une puissance, tout un suspense, tout un côté très évocateur. C'est juste une grande œuvre de cinéma. Une grande œuvre qui a vraiment confirmé le statut de Denis Villeneuve dans une époque où des gens se posaient encore la question de savoir s'il était vraiment aussi doué que
certains pouvaient l'imaginer, ou s'il était aussi prometteur que certains pouvaient l'imaginer aussi, ce film a confirmé ça. Pour moi, il y avait d'autres films avant qui avaient réussi à confirmer ça, mais là, ça a été la confirmation pour le grand public, et cette confirmation, il l'a mérité depuis très longtemps. En termes de bonus, on n'est pas très gâté, mais ça, c'est un gros problème de chez SND. La plupart du temps, ils n'ont pas beaucoup de bonus dès qu'il s'agit d'un film américain. Là, vous avez 2-3 interviews des acteurs, un pauvre petit module making-of, et la bande-annonce du film. Ce qui est triste, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de trucs à se mettre sous la dent sur un long-métrage comme ça, enfin... On va pas me faire croire qu'ils ont réussi qu'à choper des trucs que tu peux aisément choper sur YouTube. Non, il doit forcément y avoir d'autres choses. C'est un petit peu dommage que ça soit aussi pauvre, mais ça reste une guide qui est plutôt cool. Mais en tout cas, ouais, je vous conseille très fortement de regarder Prisoner si ça n'est pas encore fait. Parce que déjà, ça va vous faire encore plus aimer Denis Villeneuve, que vous ne l'aimez certainement déjà avec des films comme Blade Runner 2049, comme Sicario ou comme prochainement Dune. Mais en tout cas, ouais, c'est pour moi le film qui lui a permis d'acquérir la reconnaissance publique qu'il méritait depuis très longtemps. Et au-delà de ça, c'est un très 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 bon moment de cinéma, parfaitement maîtrisé, emmené par des acteurs dingues. Et c'est bon de le rappeler, Roger Deakins, sur ce film-là, la photographie, elle est fantastique. Rien que pour ça, matez Prisoners, vous n'allez pas le regretter une seule seconde. Ainsi s'achève cet épisode 34 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le film préféré que vous avez en tête de Denis Villeneuve. Je pense que les trois quarts, vous allez me citer Blade Runner 2049. Mais s'il y a d'autres réponses, je serais surpris. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de monde qui va me citer des films comme Maelstrom ou ses premiers longs-métrages qui sont clairement pas très très bons. Mais sait-on jamais, peut-être. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.